You already know her. Today, on va book shopping in Paris. En fait, on va faire que des adresses qu'on connaît que déjà. Sinon, j'emmène Lilia dans celle qu'elle connaît pas, mais qui est ma nouvelle préférée. Et on va pas faire que du book shopping, mais on va aller aussi un peu ailleurs. Tu es pour les adresses. Parce qu'on va aller book shopping in Paris. Acheter des livres parce qu'il me reste 94€ sur mon pass culture. Du coup, on va principalement faire des livres en français. Non, anglais. Et je voudrais Anna Karenine aussi en français. So yeah, let's do it. Baby, follow us. Thank you.
setup of le et casque qui stare just into the truc. Il est stressant. Attends, toi t'es le voix moi. Attends, mais je me rapproche de toi si tu veux. Allez, viens, on se colle. Hi, we're back. It's the day after. Et on va vous faire un book haul de what we bought yesterday. Premièrement, on a été chez Shakespeare. Oui, ok. Chez Shakespeare, j'ai acheté Pandora's Jar. Genre, c'est un peu une reprise des mythes grecs, enfin, les femmes dans les mythes grecs. J'ai lu, genre, la première page du mythe de Pandora et ça me fait trop penser à Norse Mythology et ça a l'air trop bien. Ok, that was Shakespeare. Et je regarde trop parce qu'il y avait celui que je voulais acheter, je sais plus lequel c'est, Another Year de James Baldwin, que j'aurais dû trop prendre. Et après, je l'ai retrouvé nulle part. Mais du coup, j'ai pas de James Baldwin. Et d'ailleurs, c'est trop étonnant que j'ai pas acheté un James Baldwin. Normalement, j'ai toujours un James Baldwin. Après, c'était Zia et bien, on a rien acheté. On a trouvé Nine House, mais ils étaient vraiment super chers. Si vous allez à Paris, allez vraiment faire un tour à Zia Bee Bookshop parce que c'est des meilleurs jolis. Après, c'était Gibert. Oui. Ok, là, j'ai pas compris. J'en ai pris plein de piles et tout, j'ai failli en acheter plein. Et au dernier moment, je me suis fait pas très bien accueillir à l'accueil quand j'ai demandé pour passe-culture. J'en ai même fait la belle issue aussi, ça m'a un peu saoulé. J'en ai pris qu'un seul parce qu'il prenait pas le passe-culture. Je cherchais Anna Karenina. Et parce que j'ai décidé que je voulais dire ça parce que je suis une grande folle. Je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé en français, mais enfin c'était un peu genre c'était en gros ça faisait un peu cher et les éditions étaient moches et en anglais je l'ai pas trouvé. J'ai pris une nouvelle graphique d'Aradin Keeps Breaking Up With Me et je l'ai prise parce que je me suis dit que je prends jamais des nouvelles graphiques si je les achète sur internet, j'en achète jamais, du coup faut que je les achète en vrai. Du coup je l'ai payé avec mes petits sous, c'est un peu cher mais c'est normal, c'est une nouvelle graphique et j'ai hâte de la lire. Il me semble que c'est une relation toxique entre deux filles, enfin genre ça représente un peu une relation amoureuse toxique et il me semble que c'est FA. Ah oui. Moi j'ai acheté The Perks of Being a Wallflower que j'ai déjà lu mais genre il y a 2 ans et j'aimerais bien le relire. On avait regardé le film ensemble l'année dernière. Ouais. Et j'adore cette édition, je la trouve trop belle. Et après je me suis fait une petite folie. Ça a coûté 2 euros, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est que ça a coûté 2 euros. Et que j'essaye de pas perdre la mémoire que j'ai acheté les sous du jeune Werther de Goethe. Je lui ai dit c'est 100 pages, c'est des lettres et je l'ai déjà étudié. Est-ce que je le lirai, je ne sais pas mais... Non. J'aime bien, j'approuve. Ah, you prove. Une de mes nouvelles librairies préférées auquel, du coup, à laquelle je voulais emmener Lilia. Je crois que j'ai pas beaucoup d'images là-bas, mais c'est de Redwood Borough. L'ambiance elle était trop chaleureuse, la dame elle était super gentille. Il y avait tout le monde qui parle, enfin tout le monde. Il y avait juste 3 personnes. Elle discutait et tout, elle se donnait des recommandations, c'était trop mignon. Ouais, surtout que c'était le vibe de la librairie était cool parce que c'était vraiment divers et c'était engagé, j'ai envie de dire, dans les livres qu'il y avait et qui étaient recommandés par les gens qui travaillaient là-bas. Et du coup moi j'ai acheté Les Vagues de Virginia Woolf. J'ai lu d'autres de ces livres que j'ai trouvé, ils sont là. J'adore cette édition là et c'est le prochain que j'ai envie de lire donc... Virginia Woolf is your Baldwin. Un petit peu, ouais. Ouais. Après on a été chez Galignani parce que Galignani c'est l'une des meilleures librairies de Paris et qui prennent le passe culture et qui sont hyper ouverts au passe culture. Donc du coup il me restait 94 euros sur le passe culture et je crois qu'il m'en reste ouais 20, entre 25 et 30. Et là j'ai regardé, j'ai 30 livres dans ma pile à lire. J'ai 3 livres. Et elle m'en a ouvert. I'm such a good friend. J'ai pris One Last Stop de Casey McQuiston parce que je l'ai déjà lu, donc vous en entendrez parler dans mon prochain avis de lecture. J'ai commencé à la noter un peu parce que du coup je l'avais lu sur la liseuse et j'ai annoté sur ma liseuse, donc là petit à petit je retranscris les annotations que j'avais fait de ma liseuse dans le livre. Et j'ai acheté Mrs. Dalloway de Virginia Woolf parce que Lilia a lu Go Tell It on the Mountain et il faut que je lise. C'est un peu mon influence. J'ai trop hâte de lire et du coup il y avait 10 milliards d'éditions, j'ai trop hésité avec celui-là. Et à la base je voulais l'éditer de Rory dans Gilmore Girls. J'ai trouvé elle et je la trouve trop belle et la couverture est un peu cassée mais c'est pas grave parce que dans tous les cas je vais un peu faire exprès de le niquer pour courante comme ça. Hihi parce que je trouve ça sacrément esthétique. C'est la copine de Wuthering Heights de Emily Bronte. Je sais pas si c'est moi qui l'ai abîmée comme ça ou pas parce que c'était à mes parents donc je vais un peu le faire vivre quoi. Et j'ai pris The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid parce que j'ai trop envie de le lire et que là il est sur ma liste des livres qu'il faut absolument que je lise avant 2021. Enfin la fin de 2021, plutôt avant 2022. Je pense que tout le monde sait... J'ai vraiment envie de les tuer mes livres aujourd'hui. Hein. Je pense que tout le monde sait de quoi ça parle. Et donc du coup Léonie elle m'a pris avec le passe culture Kazuo Ishiguro Never Let Me Go. J'avoue je sais pas trop de quoi ça parle. So yeah, c'est tout ce qu'on a acheté, on a été aussi, on pourrait faire un haul sous strain graine. Un haul papeterie. Let's go! Tes souhaits! Merci! À tes amours! Je t'ai écrit un papier. C'est utile, mais ils sont assez magnifiques. Comme ça! Voilà. Voilà. Et des post-it. Bien évidemment. Du coup, ils ont changé les couleurs, c'était pas les couleurs que j'avais avant. Hello. Merci d'être venu avec nous. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Sur ce, salut! Bisous! Mouah, mouah.
C'est trop cool, il y a vraiment ça. Je suis genre là au milieu. Ils étaient avec nous.